Salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer un circuit training pour te mettre en pleine forme, pour te muscler et perdre du gras. Et si je te parle de ça, c'est parce que avant de te balancer l'exercice, je l'ai testé sur moi et ça marche. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai pas toujours été aussi tracé et aussi musclé que je le suis aujourd'hui en tout cas. Et il y a 28 jours, il y a 30 jours plutôt, j'étais un peu plus gras. J'ai suivi, voilà, un challenge que je me suis imposé. Pendant 28 jours, je me suis musclé et j'ai perdu du gras. Je te montre dans ces vidéos-là, dans mes vlogs, ce que je mange, comment je m'entraîne. Si tu es intéressé pour savoir mon quotidien, pour que tu puisses t'inspirer de ce qui a marché sur moi, alors je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Trêve de blabla, je te montre le circuit training que tu pourras faire aujourd'hui sans matériel, juste avec ce qu'il y a dans un contexte extérieur, comme par exemple des blocs de pierre. Let's go! Le premier exercice, alors tu as besoin d'un bloc de pierre. Si tu n'as pas ça, j'ai pensé à toi. Tonton Alex a pensé à ça. Tu vas chez grand-mère et tu prends les grosses télés, parce que toutes les grand-mères ont encore des télés à l'ancienne, tu sais, pour faire des squat jumps. Tu peux prendre aussi un banc, tout simplement. Donc, il s'agit de monter dessus, de rester en position squat et de revenir. Hop! Tu constates que lorsque je monte dessus, je ne pose pas d'abord les talons, mais j'essaye de poser le milieu du pied ou l'avant du pied du moins. Là. Et ensuite, je mets le poids sur le talon. Je reviens. Hop! Ok, là. Et je reviens. Je trouve que c'est mieux en termes d'amorti. Il y a moins de pression sous les genoux. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Dis-moi toi dans la barre des commentaires si tu es d'accord avec moi. Alors, je te propose de faire le premier exercice 10 répétitions. Une option pour les débutants, si tu n'arrives pas à monter dessus, ce que tu peux faire, c'est une jambe après l'autre, tu montes, tu restes statique et tu descends. Statique, tu montes, statique, tu descends, statique. Option débutant. J'enchaîne juste après avec 10 burpees. Une façon décomposée, je t'explique. Tu me suis? Le but, c'est de faire une décomposition du mouvement en faisant d'abord un squat ici. Je pose les mains, je développe une pompe, je remonte en squat, je tape et je reviens. Ok, là. Le troisième exercice que tu vas faire, des pompes tout simplement. Tu choisis l'angle, soit tu travailles les mains fermées pour plus focaliser le travail sur les pecs, sinon les mains parallèles pour plus focaliser le travail sur les triceps. D'accord ? Soit sur la pointe des pieds, soit genoux, hanches, épaules alignées si tu es débutant ici, à ce niveau-là. On inspire à la descente et on souffle pendant la montée. Trois exercices simples, sans compliquer. On va faire en tout trois tours de ce circuit training. Allez, à toutes, on le fait ensemble. 10. Ok, alors pousse tes fesses en arrière, on amortit bien. Brûle. Et okay. Voilà. On enchaîne. Poids décomposé. On développe. Hop, hop. Et on tape. Une. Spécial tricep, il peut varier. Deux. Spécial pec. 3. 4. Et 5. Chauffe. Vous pouvez mettre bien en arrière, ça va bien les abdominaux. 8. L'idée, ne pas laisser ton corps tomber en avant ici. Là, pas comme ça. Ça fait juste entre les omoplates. Et 10. Ok. Trop.
30 secondes de pause jusqu'à 1 minute grand max et tu reprends l'exercice. On va le faire ensemble. On récupère bien. Et l'idée, tu vois, j'ai fait 10 répétitions sur le bloc de pierre. Et ben, si je suis trop fatigué, comme je te l'ai dit, je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité. Donc pour le coup, ce que je vais faire, si j'arrive pas à faire 10, j'en ferai peut-être 8, tu vois. Pareil pour les burpees, pareil pour les pompes. L'idée, c'est de te donner à fond avec une bonne technique. Ça, c'est important à retenir. On y va. Chouk, chouk. Ok, 1, 2, 3. Serre bien les abdos. 4, sur les cuisses, on fait travailler. 5, 6, 7, allez, carré. Et 8, chaud. Alright. Donc, on enchaîne sur les burpees. On décompose bien le mouvement. On pousse les fesses en arrière. On met le poids sur le talon. Une. Et on décompose. La peau. On revient en saut qui va pas. Une. Deux. Trois. Quatre. Bien la moitié. Allez. Cinq. Finalement, on fait un travail de directif, hein. Six. Là, on revient. Tour du lapin. Puis, poids sur les cuisses. 7. Et la huitième. 10 pompes. 1. 2. 3. 4. 7. 6. 7. Et 8. Travail dégressif. On n'en fait plus que 6. Dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, si vous aimez ce genre de circuit training, vous entrez en live. Les essoufflements, la difficulté, la vraie vie. Alors mettez un pouce en l'air. Et partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît, les sportifs. 6. Chou. Chou. 2. 3. Ok. Déjà la moitié. C'est rassurant. 4. 5. Et 6. Alright. 1. 3. Tiens, du coup, pose bien. N'hésite pas à poser les genoux au sol, hein, si c'est dur. 4. Hein. Finir tout. 5. 6ème. C'est bon. On fait 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alright. Ok. Comme dirait Diego de la Vegas. Les sportifs. On arrive à la fin de ce circuit training. Si vous avez aimé, pouce en l'air, partagez-moi cette vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir un petit programme sportif avec un tableau alimentaire, savoir une référence sur ce qu'il faut manger, envoyez-moi un mail. Mon adresse mail est dispo sur mon site pro, alexlevent.com. Ça s'affiche en bas, Levent, L-E-V-A-N-D et pas N-T s'il vous plaît. Et ben voilà, bah écoutez, vous savez tout, hein, mes sportifs. J'espère que vous avez pris un malin plaisir de me regarder en mode essoufflé à l'extrême. Écoutez, je vous aime. Et n'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi, je te dis à demain pour un autre circuit training. Bisous, ciao.